direction, monsieur Boudigi. Je suis sur les annexes à la page 5/11, au numéro 117 et 118. Numéro 118. Oui, Kapanga. Je vois ici le projet de la chute des pipes. On écrit pipe, mais on lit pipe. Et Moussouma. Moussouma, c'est la capitale de notre empire. Et quand je vois les ménages 2400, c'est un grand mensonge. C'est un grand village qui héberge plus de 2400 ménages qu'on a écrit ici. Et j'aimerais tout simplement parler de Kapanga en 117. Kapanga, c'est le chef lié du territoire, là où est implanté les bureaux administratifs du territoire de Kapanga. C'est un petit village. Et ce village-là est alimenté par la chute de pipe. Donc, sans délestage. C'est-à-dire, l'électricité, c'est 24 heures sur 24. Sans délestage, avec la chute de pipe. Au lieu de Kapanga, il fallait cibler Kalamba, le deuxième village de Kapanga, et qui héberge beaucoup de ménages, et à peu près même superficie avec Moussou. 300 km de Moussou. Il fallait cibler Kalamba plutôt que Kapanga qui est déjà alimenté. Et honorable président. Excusez-moi, honorable. Oui. Je prends un papier circulé. On retourne d'abord ce papier ici. Nous sommes en élection, commission, contenu. Franchement. C'est ça ici. Voilà. Poursuivez, s'il vous plaît, oui. Merci, honorable président. Et les projets, ces projets ici que nous appelons, monsieur le DG, permettez-moi de le dire encore, ce projet discriminatoire et tribal. Chaque fois quand il y a des invités, laissez-moi parler. Chaque fois quand tu as les invités devant ce micro-là, on cible que les mêmes provinces et les mêmes territoires. Qu'avons-nous fait au Lualaba? Et d'abord, c'est la province pilote de la RDC. Non. C'est vous les Kassaï d'abord qui dites ça. Oui. Parce qu'on est en train de cibler tout le monde les Kassaï. Collègue, adressez-vous au bureau et posez le bureau là. Vous ne pouvez pas suivre. Non, protégez-moi, honorable président. Honorable chef, honorable Kaenga. Non. Oui, allez-y. Chaque fois quand tu as des projets, vous ciblez que les mêmes provinces et les mêmes territoires. Or, vous savez que nos territoires au Lualaba sont plus enclavés que notre territoire sur le Congo. On n'a même pas d'entreprise de l'État dans nos territoires. Alors, ça fait un peu mal, non? Ça fait un peu mal. Vous nous conjuguez chaque fois quand il s'agit de Kapanga, Lualaba, vous nous conjuguez toujours le verbe au futur. Vous chantez toujours, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais qui n'est pas réalisé. Monsieur le DG, je vous demanderai de changer un pays au lieu d'alimenter Kapanga. Si cela est vrai ou pas, il faut cibler le village de Kalamba, le deuxième grand village du territoire. Merci, collègue. J'ai dit au